saluer tous les amis de la presse qui répondent présent là avec le secteur démocratique l'après-midi. Hein. Et Nabdio, bonne commémoration, journée fête drapeau. Et nous voulons dire tous les camarades journalistes qui là que désormais, rendez-vous nous avec le secteur démocratique, là, c'est ici, hein, dans le local ça, à côté nous est là. Parce que désormais, le secteur démocratique a une adresse, c'est au numéro 26, rue Mercier la Ham d'Elma 60. Tout petit rendez-vous que nous gagnons, c'est là que nous allons rencontrer ensemble. Yon l'autre fois encore, nous disons merci, parce que nous répondons présents à l'invitation ça, à l'invitation à la conférence de presse spéciale ça. Côté secteur démocratique, là, calpoté, yon discours pour nation sous 217e anniversaire commémoration drapeau. Nous prenons Maître André Michel, nous prenons le sénateur Ricard, et qui pral gagner pour faire bilan sur activité jeudi 18 mai, que le secteur démocratique là a déclaré que c'est journée réveil national. Effectivement, nous à travers le pays, la population s'est réveillée. La population à travers le pays s'est réveillée pour dire non, pour dire pas d'accord avec Jean coronavirus là géré par l'état mafia. Pour yo dire non, yo bouqué avec insécurité. Pour yo dire non, yo bouqué avec grand goût. La population à travers les 10 départements du pays s'est réveillée ce 18 mai 2020. Permettez-nous que nous mettions nous disponibles, garçons, retirez chapeau pour nous entonner yon couplet dans la dessaline. Fonti campé pour moi, s'il vous plaît, mon kishita. Retirez chapeau, retirez képi. Pour Haïti, pays ancêtre, yo, c'est pour marcher, mais dans la main. Non, mitonne, pas faite pour guetrette. Nous fait pour nous seulement tête, nous en nous marcher. Maintenant, la main pour Haïti, Kavine puis belle. En nous, mettez ensemble. Pour Haïti, on a toutes ancêtres. Merci. Et nous allons faire place à Maître André Michel, qui pralvine en quelque sorte faire bilan journée 18 mai, qui c'est journée réveil national que le secteur démocratique l'a consacré. Merci à Pile. Une autre fois encore, bienvenue ici, dans le local secteur démocratique et populaire. Parce que désormais, c'est ici que nous pralvine planifier toute bataille n'a bien pour nous mener dans le pays. Et local ça, c'est pas seulement local secteur démocratique et populaire. Son local qui a été disponible pour tout l'autre groupe politique, groupe société civile qui fait partie des mouvances populaires, des mouvances démocratiques là. Tout le monde qui croit dans le changement, local ça désormais est disponible, il est à votre disposition. Et nous souhaitons que le local soit devenu le quartier général de l'opposition, le lieu de réflexion, côté nous tous capables chita pour nous discuter, pour nous parler. Oui, jeudi 18 mai 2021, c'est une journée de réveil national. C'est une journée de réveil national, côté nous dit, et moment arrivé, la population a commencé à réveiller. Et moun yo commencé à réveiller dans Port-au-Prince. Et jodi a, yo fait qu'apprendre moins, nous avons une dizaine de camarades, de militants, notamment Patrice Célestin, qui retrouvé yo dans le commissariat d'Elma 33. Pour qui ça? Parce que matin, yo t'a participé à nos manifestations qui étaient faites. Côté tout le monde a une masse, tout le monde a un cache-nez dans la figure. Yo dit la police, pas quitter yo, exercer droit démocratique yo. Et yo arrêté yo, empilé yo dans le commissariat d'Elma 33. Nous félicitons tous les compatriotes qui participaient d'une manière ou d'une autre dans l'activité qui fait jodi a dans le pays, aux Cap-Haïtiens
C'était une journée de réveil un peu partout à travers le pays. Et désormais, le combat est relancé. Et nous exigeons, sans condition, la libération de tous les camarades arrêtés aujourd'hui, ce 18 mai 2020, dans l'occasion journée de réveil national. Nous voyons en sympathie par tout le monde qui aujourd'hui a retrouvé dans la situation côté a subi répression politique. Hier, sénateur Nenel Kassi, nous avons qui s'est passé la CAI famille dans Mariani. Luc Mandelil, ministre justice de facto, débarqué dans la tête un groupe monsieur, gagné qui habille en police, gagné qui bat en uniforme. Yo bat moun nan Mariani, yo frappé voisin sénateur Kassi, gen moun ki gen moto, yo krasé moto yo, gen jeune yo blessé et monsieur passé 20 minutes devant kay sénateur a, a fait intimidation, a fait pression et finalement le pralé, il dit sénateur a posé, sou pas posé, moi même m'a fort posé. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette manœuvre d'intimidation. Et c'est plus qu'une manœuvre d'intimidation, parce que, j'en comprends, si sénateur Kassi était là qu'à Eli, les messieurs d'Ami Orivé, probablement Luc Mandelil avec messieurs policiers ou bien messieurs qui t'habillent en uniforme yo, ou bien pas t'habillent, ils ont assassiné sénateur Kassi. Tout ça, c'est manœuvre d'intimidation. Tout ça, c'est répression. C'est dans la même rubrique-là, je dis à mon directeur ULCC qui choisit persécuter RNDDH. Pour qui ça? Parce que RNDDH fait rapport sur massacre La Saline, parce que RNDDH fait rapport sur massacre Bel Air, parce que RNDDH fait rapport pour dire mais combien de monde qui est en prison injustement, parce que RNDDH fait rapport pour dire mais quantité de monde yo assassiné dans la période de mobilisation, parce que RNDDH fait promotion dossier Petro-Caribéa à l'étranger. Alors, je dis à c'est le moment pour le secteur démocratique là renouveler engagement. Engagement nous te prenons bon côté peuple là. Engagement pour nos batailles, pour nous forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Engagement pour nos batailles, pour nous faire conférence nationale haïtienne souveraine. Non? Pour nous capables de chiter ensemble, comme frères, comme sœurs, dans le dialogue, dans la concertation, pour nous craser le système PC sous C. Qui s'y m'a émisé dans quatre coins pays depuis plus passé deux ans, engagement ça yo, n'a qu'un béo. Engagement pour nos batailles pour nous faire une transition responsable avec tout petit pays. Engagement pour nos batailles pour procès Petro-Caribe a fait là, engagement ça, secteur démocratique là qu'un béo. Jodi a, nous t'attendez, secteur démocratique là t'attendez. Parole Jovenel Moïse, c'est parole vent, c'est parole mensonge, parole démagogie. Jovenel Moïse pas capable, jodi a. À critiquer le système, à critiquer le groupe monde qui prend le pays en otage. Non, c'est un discours de mensonge, c'est un discours démagogique. Et nous rejetons ce discours parce que nous tous avons constaté, élection 2016, Jovenel Moïse a gagné bateau du riz, il a gagné bateau sucre, bateau farine, il a gagné tol, il a gagné fer, il a gagné manger, il a distribué dans tout le pays. Côté le déjoigne, c'est même mon saïo. Qui kembe pays en otage depuis plus passé 200 ans, c'est eux-mêmes qui te bal moyen pour le vin président. Et depuis le vin président, il n'y a pas jamais fait pour le peuple là, il n'y a pas jamais fait pour les jeunes, il n'y a pas jamais fait pour les paysans, il n'y a pas jamais fait pour la diaspora. Tout ça le fait, c'est dans l'intérêt de le faire. Jovenel Moïse, c'est le gardien de ce système d'exclusion qui est instauré dans ce pays depuis plus de 200 ans. C'est rester avec le système nan lié. C'est mon cap garder le système nan. Et je dis, il n'y a pas d'autorité morale. Il n'y a pas de pouvoir moral. Il n'y a pas de capacité pour le faire nous comprendre. Il pral aider nous à craser le système. Non! Bataille pour craser le système nan, c'est peuple haïtien cap menel. Bataille pour craser le système nan, c'est secteur démocratique la cap menel. Bataille pour craser le système nan, c'est jeunes, c'est femmes, c'est diaspora cap menel. Et bataille pour craser le système nan, n'a privé gain bataille ça, les nous forcer Jovenel Moïse qui te pouvoir. C'est vrai, constitution en clair. Pas de discussion là-dedans. Le 7 février 2021, sur la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. C'est l'article 134-2 qui le précise sans aucune possibilité de confusion.
Cependant, nous-mêmes, nous pas attendre 7 février 2021 arrivé pour nous renverser Jovenel Moïse au pouvoir. Et c'est ça que fait Jodia, son journée de réveil national. Et journée de réveil national là, doit permettre mobilisation reprendre dans tout le pays là, pour nous faire Jovenel Moïse quitter le pouvoir le plus vite possible. C'est ça le combat du secteur démocratique et populaire. C'est le combat de l'opposition. Et nous avons été dans la bataille ça jusqu'au triomphe des revendications du peuple haïtien. Alors maintenant, nous prenons le temps de sénateur Ricard Pierre qui va porter le message de circonstance du secteur démocratique et populaire pour ce 18 mai 2020. C'est le message officiel du secteur démocratique et populaire à la nation haïtienne. Sénateur Ricard Pierre. Nous disons déjà, nous disons 50 000 fois et nous pouvons dire encore. Pas de élection en Haïti. Tout autant pour ces Petro-Caribé a pas fait. Parce que nous pas imbéciles, nous pas timon. Nous pas quitter moun qui fin voler pour Petro-Caribé yo. Al mener pays à non élection pour vide pour aller acheter votre peuple là. Ça a pas passé. Il y aura pas d'élection en Haïti. Pas avant le procès Petro-Caribé. Il y aura pas d'élection en Haïti. Pas avant le départ forcé de Jovenel Moïse. Pas de élection tout autant. Nous pas arrivé dans la conférence nationale là pour nous chita ensemble dans le dialogue, dans la concertation pour nous craser le système. Non, peuple haïtien pas dans l'élection avec Jovenel Moïse. Peuple haïtien dans la démission. Nous dans le procès Petro-Caribé. Nous dans la transition. C'est dans ça nous y est. Bref. Et des fois ça parle, n'a pas vu dans le même sac, non? Bon, écoutez, pas mal perdu. Bon. Malheureusement, c'est président lié. Donc, je ne pas mal perdre du temps après répondre à Jovenel. Bon, malheureusement, c'est président lié. Mais de toute façon, c'est parole vain. Parole qui n'a pas d'importance. Je dis à Jovenel Moïse, déjà appartient au passé. C'est un cadavre politique. Il n'a plus d'avenir politique dans ce pays, tout comme le PHTK n'a plus d'avenir politique dans ce pays. L'avenir appartient à nous. L'avenir appartient aux paysans, l'avenir appartient à la diaspora, aux jeunes, aux femmes qui se battent pour casser un système d'exclusion générateur de misère et de sous-développement institué dans ce pays depuis l'assassinat du père fondateur de la patrie haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. Non, pas le bonjour. Pour les militants, et permettre que me féliciter les avocats de l'opposition qui se sont déjà mobilisés pour obtenir la libération de nos camarades arrêtés aujourd'hui. Gagnez un bon avocat qui mobilise et travaille. Nous exigeons la libération de tous les camarades arrêtés aujourd'hui à Port-au-Prince. Parce qu'on n'est pas capable de décider d'arrêter un monde, parce qu'il dit livrer le procès Petro-Caribé, parce qu'il dit que le président n'a pas fait job, il veut quitter le pouvoir. Même Jean-Tou, nous exigeons libération. Jean-Pascal Alexandre, ce policier de la 24e promotion, qui a été arrêté et jeté en prison, parce que monsieur dit livrer, faut que le syndicat dans la police, parce que monsieur dit faut que le policier touche 50 000 gouttes, parce que monsieur dit faut que le policier gagne 25 000 gouttes sur ticket là. Le secteur démocratique supporte les revendications des policiers et nous exigeons la libération de Jean-Pascal Alexandre, incarcéré injustement parce que la menon bataille qui est juste pour ses frères et sœurs policiers. Sénateur Ricard Pierre. Merci beaucoup. Le secteur démocratique là a profité pour dénoncer campagne persécution pouvoir tabli dans le pays. Campagne qui commence longtemps avec tout ensemble massacre qu'on a fait dans le quartier populaire. Mais campagne qui a intensifié en dernier temps yo, et qui a traduit par l'assassinat de Ricky Sauveur, l'assassinat de Tifrenou Ghana qui tombait hier. Nous dénoncer massacre ça yo, nous dénoncer zak ça yo que pouvoir a fait sous militant yo. Et n'a dit pouvoir
Zach sa yo pap kampe bataille la. Peuple haïtien pap suspend goumé en face pouvoir criminel ça. Tout temps nous dans situation côté l'argent Petrocaribe a volé yo a courir dans la rue. A en agé moun avec richesse mala ki sa yo. Tout temps l'argent coronavirus là. C'est comme ça nous est PHTK à Jovenel à gagoter toute temps situation ça arrêté comme ça peuple là fait carré goumé secteur démocratique là fait carré goumé et pouvoir PHTK ça nous dit pas gagner avenir peuple là vous risquez ça pouvoir qu'a marché intimider nous massacrer nous peuple là risquez ça longtemps nous danger pouvoir ça faire plan pour le marché, pour le continuer, tout le monde. En pile nos militants sous lice. Hier, nous, par contre, ça a été arrivé avec camarade Gassi, Oleg Gassi. Il n'est pas présent, mais s'il était présent, violence qui exerçait dans le quartier, sous mon lieu, mon téléphone, objectif, était un souffle. Il y a un plan pour le marché assassiner militants politiques, militants secteurs démocratiques là. Il y a un plan pour assassiner M. Morin, suivant toute information nous joignent, la vie M. Morin en danger, même Jacques la vie en pile militant. Nous avons dit militants ont en pile prudence, mais nous avons dit qu'on continue à mobiliser pour nous voir le pouvoir criminel. Nous avons profité pour nous donner une lecture, position officielle du secteur démocratique là, dans l'occasion 18 mai. Compatriotes haïtiens, 18 mai 1803, 18 mai 2020, ça fait 217 l'année. Depuis ancêtres, nous avons été mis ensemble pour nous un drapeau. Drapeau nous, qui est symbole de victoire, liberté sur l'esclavage, monité sur le colonialisme, c'est symbole droit grand monde nous comme peuple. Commémorer le jour 18 mai, c'est un devoir mémoire. C'est un jour qui fait tout bon, tout colon, tout conseil, tout traite, tout plume, tout plumaille, trembler dans la canson. 18 mai 1803, c'était une étape importante qui menait dans la casse chaîne colonisation, casse chaîne esclavage et racisme. C'était ça. Système démonisation, exploitation colon, on te mettait sous pied. Depuis plusieurs centaines d'années, pour aller ébranler à aucun chien de la caillère. Je dis à nous-mêmes, nous dit qui bon nous drapeau. 18 mai 1803, c'est surtout un symbole historique. Unité dans le temps, tout groupe, toute équipe qui t'a goumé pour capoter ce système d'esclavage. Nous commentons bien tentative. Même gens, je dis, devant Malais, nous y est, avec un système en pourriti, nous devons inspirer. Le 18 mai 1803, pour nous arriver à délivrer le pays en bas de tout prédateur. Nous avons une tentative, toute mafia, tentative qui soit, qui vision, qui vision, qui projet, qui n'a pas de donc merci. Pour nous aider. Peuple haïtien, l'histoire pas fait bac. Moment rivé, moment réveil national là, en bas de rapport nous, pour nous tous haïtiens conséquents. Qui ouais et pense pays pour nous faire un coup d'à-coup historique pour nous écrire une autre page de l'histoire. Ce n'est pas facile pour 18 mai 1803 de faire. Clairement, nous comprenons très bien. Nous comprenons pas toujours même. Tentative qui soit, qui vision, qui vision, qui projet. Et il y a des choses passées donc, en vent. 18 mai 2020, secteur démocratique l'a consacré, journée réveil national. C'est un moment de réflexion qui pour mener à un bon genre de décision. Parallèlement, les gars, les policiers, les policiers, les gars, 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 nous gars, très bien. Qui gars, les gars, les tentative qui soit, qui vision, qui vision, qui projet, qui gars, les gars, les c'est 18 mai 1803 qui mène nous dans 18 novembre 1803. C'est 18 mai 1803 qui mène nous dans le 1er janvier 1804. Jeunesse pays. Date 18 mai, c'est journée université à tout. C'est
c'est pas un hasard les yo associé fête drapeau à fête université a. Parce que la jeunesse c'est symbole de quoi. C'est tel démocratique là partagé avec la jeunesse désolation nous dans journée ça. Parce que l'université a pas échappé en bas des as qui fait dans tout système pays en général. Gagné dans nous qui obligé à laguer pour nous Chili, Brésil, République Dominicaine dans une série expériences difficiles. Nous battons. Gagné dans nous qui décidé rester souterrain. Dans gourmet pour changer ça. Secteur démocratique là dit nous courage. Bataille nous en a porté fruit. Faut que la jeunesse vive comme ça doit, joindre un espace par dans le pays pour évoluer, faut que l'opportunité l'ouvre pour toute jeune sans distinction. Peuple haïtien, moment on a vivre là difficile. Mode la vie a changé sur nous. Sans nous pas préparer pour ça. Bon, pense que venez aujourd'hui à vivre avec exigence pour coronavirus, là, vient un problème quotidien pour nous. Mettez sous tout l'autre problème qui a ravagé la vie économique, sociale et politique nous, dans un système en politique qui marquait inexistence l'État. Ça. Reste année 2021 à difficile en pile. En face de l'État pourri à Nice, insouciant, raquetté, n'a bien pour gérer le coronavirus et vivre avec elle. Non, même moment, n'a bien pour gérer une crise politique, une crise économique sans pareil, côté toute institution disparaît. Monsieur, quel est là? Côté l'État vient tourner, l'État bandit, racketeur, bluffé. Ça fait représentation de l'État perdu. Longtemps, toute confiance population. Il n'y a pas qu'à organiser l'élection. Mandat tout le monde fini, pendant que le peuple a dit, il n'y a pas 14 février 2021, suivant l'article 134-2 de la Constitution. Le problème du peuple a monté pile sous pile. Et la réponse au problème, ça yo, c'est bluff sous bluff. C'est bastonnade, c'est persécution sous toute forme, c'est l'amour, c'est coup de physique. Dans un moment, maladie coronavirus là a grand long dans pays a l'état de facto a mis des gaz pour faire élection champouel. C'est pour ça régime PHTK de facto a journal là lagué des guidons dans faire répression dans touyer arrêter militants politiques. Jodi a international là avec régime PHTK c'est yo qui responsable situation délabrement pays a tombé là. Pour te gang armé tout côté dans pays a insécurité, moun pa ka faire business, grand goût installé sous cotof l'estomac peuple là, dollar taille banda sous bout là, 110 goud ou 20 dollars. Corruption à crime, c'est mak fabri pouvoir ça. Yo bloqué pour ces pétrocaribé. Yo bloqué pour ces massacres, pour ces mercenaires qui te viennent souiller tes pays, pour ces qui te scolaient, pour ces caravanes, pour ces démalogues. Pour ne citer ça seulement. Je dis à Jovenel, c'est lui qui parle, moi. C'est lui qui est exécutif et l'a préparé le silence temps pour le remplacer toute mairie. Non, situation ça. Secteur démocratique là, tout si là qui croit dans changement, tout bon. Nous ensemble faire proposition à pays. Secteur démocratique là, proposer pour société là. Un projet. Côté ces monde honnête, intègre qui vous gère pays. Côté compétence, doit au rendez-vous. Côté nous devons combattre la misère, chômage et impunité. Combattre corruption, combattre gang d'État et tout l'autre. Et puis faire réinsertion sociale dans le quartier populaire. Nous devons arriver à une société. C'était après pour parler à tout le monde, tout secteur, pour préparer une transition
réussi dernière transition pour pays ça connaît. Transition doit aboutir à une réforme l'état avec un plan économique diam après organisation élection générale à partir résultat conférence nationale là. Pas gain élection sans conférence nationale là, pas gain élection sans procès crime de sang yo. Dans un petit temps tout coûte. Après concertation, n'a bien pour présenter dernière version corrigée document sous crise là avec un calendrier clair pour exécution programme ça. N'a continuer supporter peuple là dans bayo masse à télé secteur à produit. Nous mande concours tout monde pour nous produire plus masse et bay plus moun masse pour sauver la vie yo. Pouvoir gagner un plan l'an mort pour peuple là. Secteur démocratique là gon plan la vie. Et à travers plan la vie ça, n'a travaille pour produire masse. Masse qui pour pas contaminer, masse qui pas suspect pour une belle population. Nous pas fini pour nous dire coronavirus là t'est capable une opportunité pour l'état, une opportunité pour pays. Coronavirus là c'est une opportunité pour relancer secteur coutier non faire masse dans pays un petit peu partout et permettre couturiers couturières joindre moyen pour le travail pendant on produit bagaille la caille nous pour protéger la vie monde. Coronavirus là c'était capable occasion tout pour nous retirer vote nous dans mais international là à travers une politique côté nous t'a produit manger pour pays a pour ne pas t'obliger à compter sur l'autre bord alors que l'autre bord a un problème pas aujourd'hui là. Et nous connaissons 70% manger n'a manger dans pays c'est l'autre bol sorti. Malheureusement avec un pouvoir fasciste dictature dans temps pi fait nous à pays a te connait qui dans tête pays a pas de possibilité pour bagaille ça au fait pouvoir ça pas un bagaille comme ça dans tête lui. Dans dernier mot n'a dit 18 mai ça nous devons réveiller pour nous dire non. Non à clan l'an mort. Non à misère grand goût. Non à corona. Non à malnutrition. Non à insécurité. Non à chômage. Non à dictature. Non à corruption. Non à arrestation illégale. Non à persécution politique. Non à mafia politique qui dans tête pays. Non à élection programmée. Non à l'école dans un seul, à de l'école dans un seul pays. Non à gang tout partout. Vive drapeau pays, vive Haïti. Merci.